partie. Wings, toujours amis. Nous luttons ensemble et l'amour nous donne la magie. Wings, ce dont vous rêvez devient réalité. C'est le pouvoir de Believe It. Chaque jour, on va s'amuser. Chaque jour, on vit dans un conte de fées. Loin du mal, des ombres d'ici-bas. C'est notre lumière qui triomphera. Tu t'envoleras dans le bleu du ciel. C'est la magie, la merveille des Wings. En s'emparant de la flamme du dragon, les Trix finissent par conquérir Magix. Toutes les écoles, même Tour Nuage, s'allient pour les combattre. Les Winx et Sky sont bien décidés à aider Bloom à récupérer son pouvoir. Mais c'est grâce à Daphné, sa sœur fantôme, que Bloom retrouve la flamme du dragon. C'est au cours d'une ultime bataille que Bloom et les Winx parviennent à vaincre les Trix. L'ordre règne à nouveau et les sorcières sont emprisonnées au monastère de Rocalus. Comme c'est agréable que le calme soit revenu. Plus d'invasions d'armées, plus de monstres démoniaques, ni de tricks à l'horizon. Oui, le bonheur, juste toi et moi. Et tous les amis qui nous entourent. De toute façon, s'ils étaient amenés à se rencontrer, ils enfermeraient les tricks et jetteraient la clé. Salut. C'est super qu'on soit à nouveau réunis. Les pixies, il faut absolument que je les retrouve. On doit toutes le promettre, tout le monde. On doit en faire la promesse. On ne montrera jamais le chemin de notre village au Phoenix. Jamais. Jamais de la vie. Chut. Taisez-vous, quelqu'un arrive. Oh, Layla, tu es venue nous chercher. Bien sûr, je n'allais pas vous abandonner. La serrure est dans ce mur. Je vais essayer. Oh. Vous êtes prête? Oui! On doit vite trouver un moyen de s'échapper d'ici. Cours aussi vite que tu peux, pauvre idiote. Sache que je vois tout. Toi et tes amis les mini-fées, vous ne m'échapperez jamais. Je suis le Phénix de l'ombre. Levez-vous, monstre de l'ombre! Allez, chassez vos proies! Adieu. Au revoir, Sky. À bientôt.
chose dans les arbres. Au revoir, Brandon. Hé, vous allez où comme ça? Ça n'a pas l'air d'aller. Réveille-toi. Allez. Réveille-toi. Qu'est-ce que c'est? On dirait une pixie. Et cette fille, qui ça peut bien être? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Que je fais là? Oh non! Où sont les pixies? Tu ne crains rien, Alphéa. Tiens, ça va soulager ta migraine. Oh? Raconte-nous ce qui s'est passé. Voilà, bois tant que c'est chaud. Ça va t'aider à reprendre des forces. Merci beaucoup. Je m'appelle Layla. J'étais dans la forêt noire pour aller rendre visite à mes amis les pixies, quand Lockett et Glim sont venus à ma rencontre. Elles m'ont dit que les autres pixies avaient été capturées par les horribles monstres de l'ombre. On a suivi les traces que les créatures avaient laissées. On s'est retrouvés dans de grandes profondeurs jusqu'à ce que l'on arrive au château du phénix. Le phénix? C'est qui au juste? Je ne sais pas. Parfois, il a l'apparence d'un guerrier dans une armure rouge ou bien celle d'un gigantesque rapace. Il a capturé les pixies. J'ai essayé de les libérer, mais je n'ai pas réussi. Je n'aurais jamais dû les laisser entre ses griffes. Ne t'en fais pas. On va t'aider à sauver les pixies. Tu peux compter sur nous. Je ne sais pas combien de temps je vais encore pouvoir supporter tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, c'est étrange. Mais ça me plaît. Génial! Il y a quelque chose de phénoménal dans mon arrière. Oh, impressionnant. Suivez-moi, j'ai besoin de vos hameçons. Je suis plus que ravie de l'entendre. Mademoiselle, après tout ce que Layla vient de nous raconter, il est évident que nous avons affaire à une nouvelle force du mal. Nous devons agir vite. Il faut commencer par libérer les pixies. En pénétrant dans le château souterrain du phénix? Oui.
Nous savons où se trouve notre ennemi, mais nous ne savons pas exactement qui il est. Il va falloir être discrète. Seuls Bloom et Stella accompagneront Layla. C'est Timmy qui vous emmènera là-bas. Je me dirige vers la vallée dont tu nous as parlé. On devrait y être d'ici quelques minutes. Voilà, on y est. C'est l'entrée de la grotte. Tu peux nous laisser là, s'il te plaît? Je ne peux pas vous déposer plus près? Non, il ne faut pas éveiller les soupçons du Phénix. Mon plan marche à merveille. Je vais demander aux Trix d'aller accueillir nos invités. Suivez-moi, c'est par là qu'on entre. Courage, on est bientôt arrivés. Si on fait vite, on arrivera peut-être à délivrer les Pixies avant que le Phénix ne remarque notre présence. Ce serait super! Dépêchez-vous, les filles! Le soleil ne brille pas du tout ici. Je manque vraiment de force. Je prends de l'avance. Reviendrez nous chercher. Je vais vous rendre votre liberté. Stella, ça ne va pas? Ici, je me sens très bien. J'arrive tout de suite. Je vais rejoindre Layla. Qu'est-ce que c'est que ça? Les Trix! Transforme-toi, Stella! Wings Magic Charmin! C'est le pouvoir du charme. C'est là! Fée du soleil! Le pouvoir du charme. Et toi, tu étincelles. En ouvrant tes ailes, éclaire le ciel. C'est facile si tu es. Bloom! Fée de la flamme du dragon! Lumière éternelle. Le pouvoir du charme. Dans la nuit, il t'appelle. Charmin. En ouvrant tes ailes, éclaire. Où sont-elles passées? Tornade de l'ombre! Stella! Le Phénix avait raison. Je suis fière de nous. On n'a jamais été aussi fortes. Attendez! La bataille n'est pas terminée! Désolée, c'est fini pour vous. Salut, salut!
Enchantée, Tekla. Je m'appelle Digit. Bonjour. Tu es super. Bonjour, Flora. Si tu savais comme je suis heureuse de te rencontrer. Je suis ravie que vous soyez de retour avec les Pixies, mais nous ne sommes pas encore tirés d'affaire. Si le phénix de l'ombre est à la recherche de leur village, cela veut dire qu'elles ne peuvent pas retourner là-bas. Par conséquent, j'ai parlé à tes parents, Layla, et ils sont d'accord pour que tu restes ici à Alphéa avec les Pixies. Merci, c'est gentil, Madame Paragonda. Oui, vous serez toutes en sécurité avec nous. Je vous présente le professeur Avalon, qui est venu nous prêter main forte. Mademoiselle, c'est lui qui nous a délivrés des Trix. Maman, Bloom est réveillée. Elle est tellement mignonne. Viens là, ma chérie. Mes parents biologiques. Ma famille. Il pleut, ce temps est vraiment déprimant. La vie n'est pas facile. Bonjour. Bonjour, professeur Avalon. J'espère que ces fleurs vous ont mise de bonne humeur. Merci, professeur. Le mauve est ma couleur préférée. Oui, à moi aussi. Bloom, je te sens tracassée. Peut-être à cause du rêve que tu as fait. Oui, j'ai rêvé de mes parents biologiques. J'entendais même leur voix. J'aimerais tellement en connaître davantage sur eux. Je peux t'aider si tu veux. Viens à mon bureau après les cours. La vie est fantastique. C'est une journée paradisiaque. Bloom, essaye de faire le vide dans ta tête. Concentre-toi sur ma voix. Oui, professeur. Je vous écoute. Maintenant, tu voles. Tu vois tes parents biologiques et ton pouvoir. Qu'est-ce que tu as vu? Je ne m'en souviens pas. Je ne sais plus. Ne t'en fais pas. Avec le temps, ça te reviendra. Mesdemoiselles, aujourd'hui est un grand jour. C'est l'inauguration de la nouvelle école de Fontaine-Roux. Merci beaucoup, professeur Avalon. C'est gentil de nous y emmener. Vous allez passer une excellente journée. Et surtout, amusez-vous bien. On se retrouve après la cérémonie. Formidable. Je suis ravi que vous ayez pu venir. Bienvenue à la nouvelle école de Fontaine-Rouge. Alors, qu'est-ce que vous avez prévu? On ne peut pas vous le dire, c'est une surprise. Je me demande où est le professeur Avalon. Ce serait dommage qu'il rate ça. C'est qui le professeur Avalon? Oh, c'est le meilleur du monde. Je vais aller le chercher. Je vous rejoins là-bas. Salut Elia, je te présente les Wings, Stella, Tekna. Salut, j'étais en train de dessiner. Waouh, tu as fait les ailes des oiseaux avec la fougère du papier. C'est la première fois que quelqu'un remarque la fougère du papier. Et voici Flora. Enchantée, Flora. Mesdemoiselles, bienvenue à l'inauguration de la nouvelle école de Fontaine-Rouge, Sogat Castellum! C'était une magnifique journée. Tu ne trouves pas, Bloom? Oui, génial. Ça m'a fait plaisir de la passer avec vous, professeur Avalon. On dirait qu'il l'a hypnotisé.
Oh. C'était sympa hier. Avec le professeur Avalon, tu veux dire? Il est génial, hein? J'adore ses cours. On apprend tellement de choses. Je t'ai raconté qu'il m'avait aidé à voir dans le passé. J'ai même vu mes parents. Ah oui? Pourquoi est-ce que tu réponds sur ce ton? Parce que je commence à en avoir assez d'entendre parler de ton coup de foudre pour lui. Oh, qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai pas eu le coup de foudre pour lui. Je me fie à ce que je vois. Quoi? Rends-moi service, Sky. Raccroche ce téléphone. Oh. La clé d'un charme technique et efficace, c'est une parfaite élocution. Elia. Oh. Essayez de vous en souvenir. Dans la langue des elfes, une formule magique est représentée par un symbole. Oh. Ne va pas. Non, oh, rien, ça va. On ne dirait pas pourtant. C'est à cause de Sky. Il a été très dur avec moi. Ça te fera sûrement du bien d'être un peu sans lui. C'est encore occupé. On dirait qu'elle ignore tes appels. Bloom n'est pas disponible pour le moment. Merci de laisser un message après le signal sonore. Sauf si c'est toi, Sky. Ce répondeur va finir par me rendre complètement fou. Si seulement je comprenais ce qui t'arrive, Bloom. Des pixies maintenant. Conor unam expeditum varum! Colem! Jusqu'au village des Minifées, empare-toi du codex et apporte-le-moi. Vos désirs sont des ordres, maître. Le codex m'appartiendra bientôt. Il faut qu'on retourne au village des Minifées. Venez avec moi, bande d'idiots. Dépêchez-vous. Quel charmant village. J'ai très envie de le détruire. Bonjour. Je m'appelle Icy. Je viens chercher le codex. Où est-il? Arrêtez! Non, au secours! Donnez-moi
le codex, sinon je vous transforme en poussière de mini-fée. Je suis Nymphéa. Qu'est-ce que vous voulez? Tu n'as pas écouté ce que je viens de dire. Je veux le codex. Non! Si tu ne me le donnes pas tout de suite, je détruirai le village des Pixies et toutes les mini-fées qui s'y trouvent. À moi, le codex. J'en connais un qui va être drôlement content. Tu es enfin de retour. Mais je n'arrive pas les mains vides. Le codex, tu m'appartiens enfin. Maintenant, passons à la dernière étape de mon plan, la fée de la flamme du dragon. Bloom, je pense que je peux t'aider à retrouver tes parents biologiques. Tu veux qu'on essaye à nouveau ? Avec plaisir, professeur. J'ai besoin de ta confiance absolue pour cet exercice. Tu es prête à me l'accorder? Oui, professeur. Parfait. Viens avec moi. Où sommes-nous? Qu'est-ce que c'est? Un endroit dont tu ne pourras pas m'échapper. Vous ne détenez plus le codex? Non! On a dû le donner à Icy, c'est une sorcière! Elle l'a pris pour le donner au Phénix. C'est malheureux. Grâce au codex, il va pouvoir forcer la porte de la dimension interplanétaire. Oh, c'est un désert! J'espère qu'il ne va pas s'emparer d'un de vos pouvoirs. Madame Faraconda, Bloom a disparu, la pauvre! On la cherchait absolument partout. J'ai remarqué une perturbation temporelle dans la salle de classe du professeur Avalon. Je peux la traduire en images. Oh non! C'est le professeur Avalon, il a kidnappé Bloom! Notre ennemi était parmi nous. Il s'est emparé de la flamme du dragon. Il a tout ce qu'il lui faut pour prendre le contrôle de la dimension magique. Vite, mesdemoiselles! Il faut empêcher le phénix de l'ombre d'aller plus loin et sauver Bloom. Bloom est retenue prisonnière par le Phénix dans son château souterrain. Je compte sur vous, les Wings, et les spécialistes pour la délivrer. On va la retrouver, Madame Faragonda. Vous ne serez pas seule. Les Pixies du Codex se sont portées volontaires pour vous accompagner. Elles pourront ouvrir la porte de la dimension interplanétaire. Faites vite, il n'y a pas de temps à perdre. Dans le tunnel. C'est le chemin le plus court pour le château du Phénix. Tout à fait, mais c'est aussi le plus pénible. On doit se préparer à rencontrer de la résistance. Le Phénix a une armée de monstres de l'ombre. On est justement venu pour se battre, les amis. Et maintenant, Bloom, le moment est venu pour toi de voir qui je suis réellement. Et ça n'a rien à voir avec le gentil professeur Avalon. Je suis le Phénix de l'ombre. Vous m'avez piégé! Pourquoi vous m'avez amené ici? Tu es la fée de la flamme du dragon. Grâce à toi, je régnerai sur Magix. Non! Ça n'arrivera jamais, espèce d'affreux rapace de l'ombre! Excusez-moi. Désolé d'interrompre votre tête-à-tête, maître. Oh, les Trix! Qu'est-ce que vous voulez? Eh bien, nous pensions que cela vous intéresserait de savoir qu'on nous attaque. Il s'agit d'un vaisseau spatial qui se dirige droit sur nous avec les spécialistes et les Wings à bord. Ce n'est pas grave, ce n'est qu'un léger désagrément. Je vous laisse gérer ça. Vous nous laissez nous débrouiller toutes seules? Oui. Rassemblez mon armée, donnez-leur vos pouvoirs et envoyez-les se battre. On est en place! Alors, prêt pour la bataille! Thank you.
juste au-dessus de toi. Ravi de vous voir. Préparez-vous à atterrir. Reçu 5 sur 5. Mon gouvernail gauche a lâché. Je ne peux pas contrôler mon arrivée. Il a un problème. Il ne va pas y arriver. Je me charge de le ramener. Reçu. Maintenant, c'est à vous de jouer, les Winx. Nous, on s'occupe d'achever les monstres. Prêt? Oui. Oui. Alors, transformation. Winx Magic Charmix. C'est le pouvoir du charme. Fais de la technologie. Vous partez déjà? Vous n'avez pas l'impression d'oublier quelque chose? Nous, par exemple. Je ne vous ai pas oublié. Je sais que vous voulez une partie du pouvoir qui m'appartiendra bientôt. Mais ce n'est pas ce que j'avais prévu. Je vais vous renvoyer là où vous étiez, au monastère de Rocalus. Voilà, on peut commencer maintenant. Je sens la présence de Bloom. Elle est par là. Oh. Quelque chose me dit qu'on n'est pas toute seule ici. Oh. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne vois plus rien. De racines et de lierre, le monstre sera prisonnier. C'est parti.
On est venu vous aider en charmante compagnie avec les mini-fées. Attention! Ce n'est rien. Ne vous occupez pas de lui, on s'en chargera. Ça va, Madame Griffin? Oui, merci. Dépêchez-vous, vous devez retrouver Bloom. Avant que le Phénix ne finisse d'exécuter son plan diabolique, par là! Par Athènes! Viens là, toi! Tu vas voir! Par la force titanesque antique, vélocité du guépard. C'est un très bon entraînement. Passons aux choses sérieuses. Le phénix de l'ombre. Tu vas passer un sale quart d'heure, vilain monstre. Allez, viens là. Il faut absolument qu'on se débarrasse de lui. Il est fini. Allons-y. Cher Bloom des Ténèbres, le moment est venu d'ouvrir la porte de la dimension interplanétaire. La clé de cette porte est le Codex. Ah, nous y sommes. Voilà le passage dimensionnel. Honneur à toi. Nous allons pouvoir procéder au rituel. Bloom, prononce la formule du pouvoir. D'accord. Descend, Beatus Fortis Subversion. Parfait, continue. Beatus Fortis Subversion. Vite, il faut trouver la salle du trône. C'est forcément ici. Mais alors, où est Bloom? Elle a déjà dû passer par la porte avec le phénix. On peut l'ouvrir si vous voulez. Vite, allons-y! Beatus Fortis! Excellent, la porte est en train de s'ouvrir! Beatus Fortis, non! On va la verrouiller! Quoi? Déformation du plasma! Pouvoir du soleil! Tranquille. Reprends la formule, je vais leur régler leur compte. Vous allez regretter d'être venus, mes petites fées. On doit nous défier ensemble. Pitoyable. Hey, vous, le phénix de l'ombre. Restez tranquille. Relâchez Bloom, faites-le tout de suite. Tu ne l'as pas demandé poliment, mon petit. Je ne peux plus bouger. La porte est en train de s'ouvrir et vous êtes pris au piège. Beatus Fortis Subversion. Beatus Fortis Bloom Subversion. Hey, non. Espèce d'idiot.
Il faut que tu m'écoutes. Tu dois lutter. Tu dois te battre pour qui tu es véritablement. Et tu dois te battre pour nous. Tu en as la force. Tu es plus forte que le phénix de l'ombre. Tu m'as déjà sauvé la vie. Maintenant, tu dois sauver la tienne. Tu es la personne la plus chère à mes yeux. Tu comptes plus que tout au monde. Je t'en prie, redeviens toi-même. Ce n'est pas trop tôt. Je vais enfin pouvoir... Oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui lui arrive? Ce n'est pas vrai! Non! Elle ne peut pas me faire ça! Ce n'est pas possible! Non! Tu regretteras d'avoir fait ça! Bloom! Les spécialistes, vous êtes prêts? Oui! Je vais tous vous anéantir! Tous! Protégez les Wings! Vous êtes prête, Faragonda? Plus que jamais, Griffin. Vous pouvez y aller! On vous protège! Ne t'en fais pas, Bloom! Bienvenue dans le monde de l'oubli! Super Nuit! Les Wings sont unis par la force! Ensemble. Tu as entendu? Voilà! Approchez-vous! Vite, rejoignons-les! Le retardateur est programmé sur 10 secondes! Dépêchez-vous! Tout le monde est là?